Francis Ganou répond à la provocation contre lui. Après plusieurs mois de spéculation, de rumeurs, et parfois de doutes, Francis Ngannou a enfin tranché son avenir. C'est du côté du PFL que le Predator poursuivra en effet son illustre carrière, avec un contrat qui lui confère des droits uniques dans l'histoire du MMA. Le Camerounais, qui n'a pas oublié les critiques de ses détracteurs, a d'ailleurs tenu à leur adresser un message. Enfin, alors que l'on commençait à désespérer, Francis Ngannou a finalisé un énorme contrat avec le PFL, quelques jours à peine après que Cédric Doumbé ait annoncé rejoindre l'organisation. L'annonce a fait l'effet d'une bombe ce mardi matin, et la communication de la part de la fédération ne s'arrête pas depuis. Francis Ngannou répond à ceux qui l'ont accusé de faire n'importe quoi. S'il est évidemment ravi de ce choix, le Camerounais n'oublie pas ces derniers mois quelque peu compliqués. Accusé de « fumble the bag », cette fameuse expression selon laquelle il aurait « chié dans la colle » en perdant son statut et tout ce qu'il avait acquis, Ngannou a répondu cash après l'annonce. « Je n'ai pas pris cette décision à la légère. J'ai beaucoup réfléchi afin de trouver la promotion adéquate, dont les valeurs correspondent aux miennes. Certains d'entre vous n'approuvent pas cette décision, et pas de problème. Mais pour ma famille, mes fans, pour l'Afrique et pour moi, c'est la meilleure décision possible. »